Salut à tous. Alors, ce qui devait arriver, bah, est arrivé. J'ai chopé le truc d'Eric. Puis ce matin, j'ai super mal à la gorge, je fais des suées, j'ai de la fièvre. Bon, là, je reviens de la pharmacie. J'ai appelé le médecin, il était cool. Il m'a dit de prendre ça tout de suite. Et normalement, ça devrait calmer le jeu parce que j'ai pas vraiment envie d'être dans mon lit. J'ai un peu beaucoup de boulot. Et voilà. Donc, déjà, j'ai remis ma tenue. Vous savez, samedi soir, j'ai voulu faire une petite photo Insta. Que je mettrai, je pense, ce soir, un petit côté rock dans le studio. Je pense que le rendu va être pas mal. En allant là, à la pharmacie, on s'est pris des petits sandwichs et j'ai pris des petits gâteaux. Et aussi, j'avais reçu un message de Nocibé disant que jusqu'au 7, donc ça doit être national, je pense, il y avait 30% de réduction à partir d'un certain montant. Et ça valait vraiment le coup, surtout que j'avais plus de fond de teint. Enfin, il me manquait quelques trucs. J'en viens, je vais vous montrer. Je suis pas d'humeur, Jack, là. En plus, j'ai envie de faire une jolie photo des gâteaux, donc si tu les bouges. Oh, ils ont résisté. Alors ça, qu'est-ce que c'est beau? C'est au citron, ce sera pour Eric. Et moi, je me suis pris une petite tartelette aux fraises. Le retour des gâteaux. Stop, on s'arrête tout de suite. Voilà le joli gâteau, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Il y avait de la vanille, du citron vert. Très certainement un petit gâteau, c'est joli, hein. Et elle me donnait vraiment envie. Je pense, me la garder pour ce soir. Et comme je vous disais, j'ai pris également des petits sandwichs. J'adore cela. C'est méditerranéen, donc il y a du pesto, basilic et mozza. Tomates, je les enlève, il y en a un peu trop. Voilà. Et j'ai pris le même pour Eric. En ce qui concerne ce que j'ai trouvé chez Nocibé, et ben je vous montre tout de suite. Je suis toute brillante, je vous dis. Elle a de la fièvre, Caro. Et ce qui est cool, c'est que j'ai eu des petits cadeaux, des échantillons. Ça m'a fait 47 euros de réduc, donc un fond de teint Dior offert. Je me suis pris un Kiss Kiss Gloss transparent parce que je trouve que ça redevient vraiment la mode et c'est beaucoup mieux, même. Coucou bébé, tu traînes les pattes, tiens, ton petit sandwich. C'est le méditerranéen de circonstance. En fait, il y avait tout ça. Ça te va? Très bien. Bon, allez, va te reposer. Je disais donc que je partais en ce moment sur des glosses. Je préfère. Ça fait un teint beaucoup plus lumineux, plus frais, parce que tout ce qui est mat, finalement, ça tiraille, ça va dans les ridules. Ça fait pas un joli rendu. Alors que ça, quitte à mettre un petit rosé ou un petit rouge à lèvres en dessous et mettre ça par-dessus, il me donne des petits coups, hein, si ça bouge, c'est lui. Donc, j'ai pris celui-ci qui est transparent, mais qui a l'air d'avoir une jolie tenue. Voilà, donc c'est le Guerlain. En fait, il est légèrement rosé, c'est parfait. Je vous montrerai le rendu. Je me suis pris donc un fond de teint, je n'en avais plus. J'ai pris le 2W. Alors, le W, me semble-t-il, c'est warm, ça veut dire doré. J'aime bien quand il y a des sous-tons dorés, ça donne bonne mine. Teint tenue 24, c'est le nouveau Forever. Comme ceci, donc pareil, hein, bah vous verrez quand je l'utiliserai. Vous vous direz peut-être, oh, mais elle a bonne mine. Et j'avais plus de concealer, donc le Tarte, je l'ai fini. Donc je passe au Double Wear. Je voulais les nouveaux Double Wear, mais ils les ont pas reçus. Ils avaient juste les démos. Donc j'ai pris le classique. Celui-ci, il est vraiment très bien. Il est quasiment identique au niveau de la tenue du Shape Tape de Tarte. Et celui-ci, c'est la recharge. Fond de teint poudré quand je veux alterner. Soit je mets celui-là, soit je mets celui-ci. Voilà, en teinte 30. Et ça, c'est tout ce qu'elle m'a donné. Qu'est-ce que c'est? Mais non, regardez-moi comme elle est belle. Pour mettre les petits crayons, elle a un côté glossy. Dior, waouh, j'adore. Et l'intérieur est comme ça. Oh, super. Et pendant que j'y suis, je finis mon tour. Donc, j'ai demandé en pharmacie un shampoing Nutri Réparateur. Donc, elle m'a dit que celui-ci était pas mal. J'espère qu'il va pas être grave. Parce que je sais que j'avais déjà eu un Chlorane qui me faisait les cheveux gras. J'ai pris ça pour le mal de gorge. Et ça pour la tête. Sur ce, je vais quand même manger parce que ça commence à faire faim dans mon ventre. Et je vais finaliser mon vlog. J'ai encore pas mal de choses à faire, miniatures et compagnie. Avant de monter, je vous montre, je viens d'appliquer le gloss. Je pense qu'il va me plaire celui-là. Bon, quand on est malade, on fait quoi, bébé? On va chez le docteur. Voilà. Donc on va chez le docteur. Attends, on dirait Irina Dosfer. Yes, oui, russe. C'est de la fausse fourrure, hein, évidemment. Ah là 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 là. On est devant chez le docteur. Il pleut de fou. Il est parti chercher la voiture. Et là, je le sens pas trop, en fait. Bon, bah, il a une bronchite. Hein. C'est le virus. Voilà mon chauffeur.
Eric est parti à la pharmacie. Franchement, j'ai pas le courage. Je sens que mon état, c'est de pire en pire. Ça se transforme du mal de gorge qui est toujours là dans les oreilles. Ce côté fiévreux, ce côté pas supporter les habits sur soi. En plus, demain, j'ai une grosse journée. Il faut que je sois en forme. Demain matin, ça commence. J'ai des rendez-vous. Demain après-midi, après, j'ai des tournages. C'est bon ? Allez. Il est 7h, l'heure de manger. Mais si je veux être en forme demain, j'ai pas le choix. Je me suis fait une infusion de thym avec du miel. Voilà. C'est pas ça qui va me guérir, mais ça soulage un petit peu les maux de gorge surtout. J'ai pris les petits médicaments et ça va aller mieux demain. Pendant que mon infusion est en train de se faire tranquillement, bon déjà je me suis mise à l'aise. Vous avez déjà mis le chauffage vous ? Ben moi j'ai pas encore mis, Eric m'a dit qu'il fallait qu'on attende encore. Là, vous savez, je vous avais dit, il faut que je refasse la déco, c'est mon arrière-fond quand je fais des face cam. Eh bien, je vais collaborer avec une marque pour tout refaire. Donc, je vous avais dit, ça va virer, je vais m'en débarrasser de ça. Et tout ce mur-là, qui fait 2m30 ou 2m40, ce sera du papier peint. C'est un truc, une nouvelle déco. Il y aura le meuble blanc et le papier peint, il est hyper original, il est magnifique. Et il y a quoi aussi? Il y a une tringle à rideaux, il y a des rideaux, il y a un coussin, il y a plein de trucs sympas. J'ai hâte. Je pense que ça se fera d'ici 2 semaines. Le meuble, pareil, 2 semaines. J'ai plein de vidéos sympas à venir entre ça, les robes sur mesure. Mon planning commence à bien se remplir et je dois avouer que j'aime bien. C'est cool. Par contre là, il est grand temps d'éteindre tout ça comme d'hab. Voilà. Au revoir. Alors, elle en est où cette petite infusion? Bah, j'ai cru voir un gros miné. Vous allez voir, il aime bien quand je joue comme ça. Il n'y a pas un Tizaki qui est cassé là? Qu'est-ce que c'est? C'est Jackie. Il est là. Il est caché. Mais il est là. Oh, le regard du mec qui se dit, mais elle est complètement tarée. Ah oui, il y a ça aussi ce matin, il y a le camion tiré qui est passé devant la maison et on prenait le petit-déj, Eric il me fait « Va lui demander un catalogue !» Bon, et voilà, donc il va falloir que je me penche un peu dessus, là que je vois un petit peu ce qu'il propose, les tarifs. Moi je voulais tellement qu'il y ait un... Moi c'était un Picard que je voulais qu'il s'installe chez moi, mais bon, je sais pas ce que ça vaut, dites-moi si vous connaissez un petit peu. J'avoue que j'ai regardé vite fait au niveau des desserts. Wow, ça donne quand même pas mal envie. Hein. Et là, il va y avoir, je pense, les menus. Ça va commencer pour Noël. Vous entendez comment je parle du nez? Bref, potiron en cube. Je verrai. Ah, super. C'est fort, hein, ça sent très fort le thym. Je vous reprends donc le lendemain. J'ai dû couper hier, comme vous le voyez, là je pense que je suis au top du virus. J'ai passé une nuit de merde, j'ai pas dormi comme ça, j'ai dormi comme ça, tellement là ça n'allait pas, ça bloquait. Bref, s'il y avait eu que moi, franchement ce matin je serais restée au lit pour un petit peu me reposer quand même, vous avez vu la tête, parce que ce matin j'avais quand même un rendez-vous très important téléphonique, une visioconférence, donc je l'ai faite, ça c'est bon. Je vous avais dit aussi que j'avais pas mal de trucs importants aujourd'hui, il y a des choses que j'ai dû reporter, il y en a d'autres que j'ai dû annuler, parce que là je suis pas du tout en état, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter ce vlog, pour que vous ayez quand même la vidéo hier pour vous, ce soir pour moi. Je pense que le mieux, c'est de pas vlogger. Je vais pas enchaîner hein, sur une vidéo parce que non, ça donnera rien de bon. Je vous reprendrai, je pense, après-demain pour un nouveau vlog ou une vidéo face cam. Je vais en profiter aujourd'hui quand même pour faire quelques petits trucs qui sont bons pour le moral, c'est-à-dire faire du classement, du tri, la paperasse, ranger un peu. Et puis, je vous dis à, je pense, dans 2 jours, ouais, pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir regardé. Jusqu'ici, je vous fais un gros bisou et on se dit à très vite, en meilleure forme j'espère. Salut. Avant de couper, il faut que je vous montre quand même Jack qui est sur son perchoir. Ah, il m'a repéré. Il adore ça, il regarde les petits oiseaux. Tu es un petit curieux, hein? Tu t'endors devant ta fenêtre? Bébé ça. Bon, je vous fais un gros bisou. Allez, salut.